Yo tout le monde, c'est Neverstone486 et on se retrouve sur Borderlands 2. Oui, c'est un jeu génial, enfin, d'après ce que j'ai pu en comprendre, d'après tout ce que j'ai pu voir. Je vais déjà modifier vite fait un petit peu l'audio du jeu pour que vous puissiez m'entendre. Parce que moi j'ai l'impression de parler un petit peu fort là. Je rapproche un petit peu mon micro, excusez-moi, ça fait un petit peu de bruit. Donc volume des dialogues, on va quand même les mettre assez fort. Comme ça je me tairai pendant les dialogues. On va mettre les sous-titres pour si jamais hein. Du cheat VoIP. Volume des appels entrant. D'accord. Coupure du son. Couper ou non tout l'audio du jeu lorsque celui-ci est réduit. Blablabla. Ouais, on va quand même encore réduire un petit peu la musique. Voilà. Effet sonore. On va laisser assez fort pour quand je tire. Volume du dialogue, on va mettre à 8, ça devrait aller. Et voilà. Ok, donc menu précédent. Niveau vidéo, luminosité. Franchement, ça allait bien. On va mettre à 8 pour équilibrer. Tout ça, c'est bon. Bla 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 bla. Résolution, c'est parfait. On est en mode non fenêtré. Et je valide normalement. Ouais. Ouais, franchement, on va laisser comme ça. Hein. Clavier souris, je verrai ça en jeu et hop, on va donc pouvoir lancer le jeu. Donc ce sera pas, enfin je pensais que le jeu se démarrait tout seul mais non. Donc bah écoutez, on va lancer une nouvelle partie et on se retrouve tout dessus. Ouais, quoi que, le jeu, enfin le son est encore assez fort je trouve. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez maintenant. On va mettre comme ça. Moi ça me va, j'espère que vous entendrez quand même un petit peu le son. Je lance une nouvelle partie, donc. Alors, vous voulez une autre histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se... J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche. Une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacule et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Iridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'iridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux et avec un homme. Le beau Jack.
Je peux pas laisser des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée. Mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Wow, on se retrouve donc après cette longue introduction. Je suis en compagnie de quelqu'un, je ne sais pas s'il est là. Est-ce que tu m'entends? Tu parles d'introduction? Oui. Donc voilà Yoshi, hein, comme d'habitude sur mes vidéos, n'est-ce pas? Ouais, je viens squatter en gros. Donc, ouais, c'est ça. Puis même, c'est plus convivial, je trouve. Donc là, comme je le dis, bah l'introduction de Borderlands 2, hein, donc vraiment épique, je trouve. Le son, j'espère que c'est assez fort. Et donc, dans l'introduction, qui est un petit peu décalée entre son et écriture, enfin, et comment ça s'appelle, ouais, j'oublie. Et les sous-titres. Voilà, merci, c'est ça. Il y a que les sous-titres qui sont décalés. Ouais, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais, tout va bien. Donc, bref, on se retrouve donc avec 4 classes différentes. Et vous l'aurez peut-être deviné, je vais choisir le personnage 0. Devinez pourquoi. Devine. Parce que c'est ton, c'est ton nombre de neurones. Non, c'est quasiment ça. Non, c'est parce que 0, bah, c'est un nombre, hein, comme tout le monde. Comme ils le disent. Non, c'est un chiffre. Ouais, c'est pareil, mais moi je suis un numéro donc. Ouais, non, c'est juste pour ça justement. Je pense que je vais garder la tête de base ou la tête sans harmonie. Je sais pas ce que t'en penses. De toute façon, tu pourras le changer plus tard. Ok, bah merci de me le dire. Donc je garde cette tête de base. Ensuite, pour l'apparence, j'aimerais bien un petit gris bleu si possible. Mais bon, vu que je suis daltonien, ça va être assez chaud de voir. Bleu outre-mer, nope. Alors, chevalier azur. Intéressant. Non, justement, c'était sur bleu ciel spécial. Jaune et joli, prisme de terre. Prisme de terre, ouais. Ouais, jaune, c'est pas mal. Il y en a tellement, faut dire en même temps. Zut. C'est ça qui fait toute la richesse du jeu. Ouais. Non, mais franchement, ce jeu est juste énorme, je trouve. Tu as pas encore joué. Oui, non, mais même, je sais qu'il est énorme. Je sais pas. Ouais, je prends distance émotionnelle, il me paraît pas mal. Il y a du gris. Enfin, ce que j'appelle du gris. Ça me semble vraiment cool. Donc, je vais prendre comme nom 6406. Et ouais. Et tout en lettres, s'il vous plaît. Ça sert à rien, ton nom. Zut, il n'y a pas cette place, tôt. Bah, je vais mettre il number. Sert à rien, le monde. Et on confirme, allez hop, c'est parti. Et ça m'a mis choix de classe number 6406 quand même, cherche l'erreur. Donc. Génial, encore un chasseur de l'arche mort. Hey. Jack n'arrête pas en ce moment. Ouais, j'ai dit que je laissais les dialogues, enfin sans trop parler, tu vois. T'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction, CL4PTP. Mais mes amis m'appellent claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. La stéréo est bien faite quand même, je sais pas ce que t'en penses. Prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Logique, la stéréo, c'est bien. Il dispose d'un affichage tête haute de 15-12. Ouais, non, je veux dire, tu sais, ça se voit bien, tu sais, que t'entends d'un côté ou de l'autre, c'est trop stylé, je trouve. Ça déchire. C'est le but de la stéréo. Allez, nouvelle clé d'or disponible, on s'en balance. Relique, veuillez patienter. Faut pas l'utiliser, la clé d'or. Ah. Vu que je t'expliquerai ça plus tard, mais tu l'utilises pas. Qu'en fait, dans une ville, il y a un coffre qui, selon ton niveau, ça lui donne une bonne arme. Donc, attends, si 3 niveau... secondes, je t'entends pas, je vais baisser les sons des dialogues, je les ai quand même mis un petit peu trop. Donc c'est dans options, audio et volume des dialogues. Je vais mettre à 5, comme ça je pourrais t'entendre. Vas-y, je t'en prie. On recommence. Dans une ville, il y a un coffre. Pour l'ouvrir, il faut obligatoirement la clé d'or. Ok. Mais dedans, il y a des armes. Il y a des armes
des bonnes armes selon ton niveau. Donc mieux vaut les garder, mieux vaut garder la clé d'or quand t'es haut niveau. Ouais, je vois, ok, merci. Ok, donc déjà je connais un petit peu les touches. Enfin, je les essaye toutes un peu. C'est du tout, je sais pas. Ouais, non, de toute façon, j'avais déjà regardé un petit. Le premier épisode d'un gars. Donc, je sais un petit peu à quoi m'attendre au début. Par contre, attends. Je sais que je peux ouvrir la boîte aux lettres là. Il faut faire attention au Garogo. Il vous arrache un œil en Je peux ouvrir la plupart des trucs. Ouais, je sais. Mais justement, j'ai envie de prendre un petit peu tout ce que je peux. Je vais regarder un petit peu avant de. Oh, par contre, c'est chaud de se déplacer, je trouve. Enfin, c'est le début. Enfin, je sais pas. J'ai le. Comment ça s'appelle? La sensibilité assez haute. Donc, je pense que je vais la régler après. Je sais pas. Tout ramasser? Vraiment tout? Ouais. Non, ça, y a pas. Ça, on peut pas. Ouais, je crois que je vais régler la sensibilité aussi. En fait, je fais tout en direct. Donc, clavier souris, sensibilité 60. Ouais, je vais mettre à 50. Dans certains jeux je suis à 100%, mais là je sais pas, ça fait vraiment beaucoup je trouve. Mais l'effet de bouger, on va dire, est vraiment bien fait je trouve. Bah oui, en même temps il y a tout qui est bien fait dans ce jeu. Même si le graphisme c'est pas du réalisme ni rien. Ah non, mais moi je kiffe ces graphismes là, hein. C'est trop bien fait je trouve. Enfin j'aime bien l'idée du graphisme. C'est pas que c'est bien fait, c'est ça fait penser tu sais au premier 3D. Et cartoon, bah, comme on voit dans certains jeux inspirés de manga. Ouais. Et d'ailleurs, je viens de voir un mort à côté de moi là, génial. Ouch. C'est le pire. Je me suis pris des trucs dans la tête. Fais gaffe, le jeu est plus prenant que qu'il en a l'air. Tu vas peut-être faire un épisode de 3 jours. Oh non, il y a le Garogo qui arrive, ça y est. Ouais, j'avoue que le jeu est vraiment cool. Hein. L'animation est quand même trop bien faite, c'est quand il se fait piquer son œil, c'est épique. Ouais. Et ce qui est chiant, c'est que y a un truc un peu con quoi, c'est que t'as envie de le frapper pendant tout le long mais tu peux pas. Je suis en train de voler tout. Ah ouais, tu peux pas le frapper. Mais moi je me rappelle de la blague que tu m'as dite là. Je la laisse pour ceux qui connaissent pas le jeu encore. Ah oui. J'ai fait une sorte de fourreau, cherche l'erreur. Bon. Zut. Ouais, je sais vraiment pas bien me déplacer moi dans les jeux quand même. Hein. Donc. T'inquiète pas, ça viendra. Alors, le flingue. Comment on ferme cette boîte? Ici, vous avez fait deux pas et ouvert une armoire. Plus tard, en tuant des monstres hauts comme des gratte-ciel avec une arme qui tire des éclairs, vous pensez. Ok, hey, cool. Médecine d'urgence, on peut pas prendre. C'est parce qu'en fait, dès que tu perds de la vie, tu peux pas en réserver. Enfin, tu verras. Ok. C'est toi qui as reçu un message ou c'est moi? C'est moi, t'inquiète. Ok, ouais, ça me rassure parce que... D'accord, no problème. C'est parce que si jamais j'ai pas éteint mes Skype, etc., ça va être peut-être un petit peu saoulant. Bon, il est où l'autre? Ben, avant, si tu vois. Ouais, non, mais je sais pas, je l'entends en train de crier, là, mais je sais pas ce qu'il faut faire, moi. Regarde sur la map. Ouais, mais je le vois là, mais il est en train de se cogner dans tous les murs. Bah, justement, il est aveugle. Ouais, je sais, mais... Je dois faire quoi, moi, en attendant? Attendre. Bah tu le suis, t'attends. Non mais il est... Ah d'accord, mais il met vraiment longtemps alors. T'inquiète à se déplacer. T'inquiète pas, après il y aura des machins qui vont arriver.
Des quoi? Il y aura des méchants qui vont arriver. Non mais en fait ce que je veux dire c'est que là on est coincé dans le truc. Dans sa maison. Dans quel truc? Ah normalement tu dois le rejoindre. Bah en fait c'est lui qui se ramène pas. T'as pris le flingue? Ouais. T'as pris tout ce qui traînait? Ouais je crois. Appuie sur tab, regarde s'il parle d'une quête ou je sais pas. Sur tab. Alors. Débloquer, félicitations, vous êtes un fan club exclusif, ok. Mon premier flingue, vous avez fait deux pas ouverts, blablabla. Mais du coup, je dois faire quoi avec ce flingue? Rien de spécial. Bah, normalement, il va ouvrir une porte là. Ouais, mais le problème, c'est qu'il le fait pas. C'est peut-être parce que t'as oublié des trucs. Le truc. Ah, d'accord. J'ai pris un autre flingue alors. Sûrement. Ah mais je te jure, t'inquiète, il est pas, bloqué, je sais pas où lui. Je sais pas, il bouge pas en fait. Donc là c'est... Je sais pas. Sur la carte, tu vois pas un petit carré? Si, mais il me le dirige vers l'armoire. Bah, ouvre l'armoire. Mais elle est ouverte, mais le truc c'est que je peux rien prendre. Bah c'est que t'as pas assez regardé. Bah, non mais... Quand j'essaye de prendre, ça m'est prenez un flingue. Ah d'accord, fallait que je clique. Oh punaise, d'accord. Il y a longtemps, quatre chasseurs de l'arche réussirent à... Ah d'accord, bon les gens, désolé, hein, je suis vraiment un nouveau. Vous imaginez que je dois le supporter, moi, même quand vous ne voyez pas. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens... Oh ça va, ok. Depuis le temps que j'attends la venue d'un valeureux chasseur de l'arche... Au moins un jour, peut-être que je serai bon au FPS, mais bon, ça ce sera... Dans quelques années. Ouais, tu m'ouvres la porte s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Alors. Ouais, j'ai réussi à prendre les objets. C'est trop fort, hein. Ouais. Partons en rachasse de Garogo, mais tu veux que je me fasse tuer, mon petit? Tôt, j'ai plus de place pour prendre. Il fait quand même de ses blagues, t'as vu, elles sont pires que les nôtres, hein. Je sais pas comment il se débrouille. Pourquoi il a fait la blague avec les... Avec non, mais les... non, là, il a fait la blague avec le... Ah oui, c'est vrai que t'entends pas, toi, du coup. Mais là, il a fait la blague avec le... Allez, avance, sbire sans... sbire non aveugle. Ah oui. Cœur de primate a beau m'avoir aveuglé. T'inquiète pas, bientôt il y en aura une. Je te parie qu'on retrouvera mon œil. À moins qu'elle soit déjà arrivée. V pour accord. Pour corps à corps. T'as dit quoi? La blague à la con, elle est déjà arrivée. Non, pas encore. Ne quitte pas le robot d'une semelle. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Ouais, bah ne pas quitter le robot d'une semelle quand il se barre tout seul. Merci quoi. Hein. Non mais t'inquiète pas, c'est rien tant que y a pas d'animation, tant qu'il y a rien d'important, ça va. Like, ouais mais là il y a les Garogos qui vont arriver, je le sais. Enfin les Garros blancs, je sais pas quoi. Bah, ça s'appelle des Garogos. Ouais mais je suis noob moi, comment tu veux que je tire sur ces... Ah. Repère de zone. Cette mission possède un repère de zone. Les repères de zone vous indiquent l'emplacement général d'un objectif. Mais vous devrez fouiller les alentours pour le trouver. Ok, bon, allez.
Ouais, j'ai réussi à en tuer un et de deux, je suis trop puissant. Oh, comment je suis un beau gosse en fait. Oh, ça va, hein. Ça va, ça va. Tu me diras quand tu commenceras à rigoler quand même. Nos problèmes. De toute façon, avec lui, il se casse la gueule tout le temps, donc je crois que je peux rigoler à tous les... Ouais, tu te bouges. Allez, hop, c'est parti. Oh oh. Ça recommence. Jack met Pandore sans dessus dessous pour trouver l'arche. On raconte que ce sont ses opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin. Ça y est. Il vient de sortir la blague. Petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary, l'ultime bastion de la résistance contre Jack et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Ouais, j'avoue. Non, mais franchement, c'est épique. J'espère que vous l'avez entendu celle-là. Sinon, vous repassez la partie 1. Soit c'est les faux, soit c'est ces forêts qui font des tremblements de terre, soit c'est ta mère en se réveillant. Et bim! J'ai entendu 3 fois cette blague. J'étais mort de rire à chaque fois. Et bim! Je t'explose, Gargo de mes deux. Ah! Wow! Je suis nul encore à corps. C'est... En même temps, tu peux pas les tuer trop encore à corps. Si. C'est une. Oui, non, mais je veux dire, c'est chiant quand t'as pas trop de défense. C'est aussi une spécialité d'héros. Enfin, il a une colonne spécialité. Vu qu'en fait, dans les compétences, t'as deux tableaux pratiquement. Mieux vaut en mettre que dans un seul. Ouais, j'ai réussi à le tuer. Ouh. Désolé si je parle pas beaucoup, mais franchement, ces jeux, moi, j'ai trop du mal à parler en même temps que je joue. Tu vois quand je te dis qu'il fallait que je vienne avec mon perso niveau 15, mon 0 aussi. Salut, petite tête. Ah, ça y est, il y a le beau Jack qui nous parle enfin. Je vais t'expliquer les règles. Ah oui, tu vas voir les conneries. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. C'est trop puissant. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc, si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Mon lapin. Et puis quoi encore? Bon, alors, par où c'est que t'il est monté, l'autre? Par là. Bah. Logique. Oh, mon œil fonctionne à nouveau. Ah oui. Et un robot incroyablement séduisant. J'en déduis que il dit quoi là? Bah en gros oh, je revois à nouveau je vois un sbire à fière allure et un robot blablabla. Ah, donc oui, en gros je suis à côté quoi. Ça va faire mal. Aïe. Et mince. Wow, 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 wow. Je vais me faire buter comme un noob. Bah, ça m'étonne, je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Oh, j'ai 27 PV, mec. Terminé, je pense que tu pourras finir l'épisode là. Ça va faire une demi-heure. Enfin, pas une minute, une demi-heure. Vas-y, j'arrivais pas à mettre des coups de couteau. T'inquiète pas, tu peux le faire. Oui, je peux le faire, je le sais. Je peux tuer cœur de primate. Ouais.
Oh non, je suis mort. Oh, il lui restait même pas 1% de sa vie. Alors là, je suis dégoûté. Si tu meurs sans vraiment totalement mourir, tu peux le tuer encore. Ouais, je sais, t'as mais justement, c'est ça, il lui restait plus que... Ouais, bon, allez, je vais le tuer et j'arrête. Hyperion vous souhaite un bon retour de votre voyage. Ouais, merci pour le bon retour. Amuse-toi. Ah vas-y, je me trompe à chaque fois pour les coups de... En fait, je suis un malade mental, moi. Je vais direct au corps à corps contre un monstre qui me pète la face au corps à corps. Allez, non, 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 meurs pas, vite, tire. Ah ! Vas-y, à chaque fois il lui reste plus qu'un demi point de vie, c'est pour que je le bute, mais il est toujours debout. Bon allez. Dernier test. Au corps à corps, quoi. Ouais, mais en fait le truc c'est qu'il me saute dessus à chaque fois, donc j'ai du mal à l'éviter. Alors, quoi. Et tu vois les petits cailloux qui sont autour, pète-les avec un coup de couteau. Faut y avoir du soin dedans. Du quoi? Enfin, des potions, du soin. Like. Ah là, je suis en train de le péter. Tu vois, je t'avais dit. Bim! Oh, franchement, je me suis fait atomiser les fesses, mais c'est pas grave. Vous venez gagner un niveau. Chaque niveau supérieur augmente vos santé maximale et les dégâts que vous infligez. Ah bah, ça va être pratique, la santé, parce que moi, avec moi, vous allez en avoir besoin. En outre, lorsque vous montez d'un niveau, votre santé et votre bouclier sont remis au maximum de leur valeur. Allez, hop. Coucou, si tu pouvais récupérer mon œil... Non, je ne récupérerai pas ton œil, espèce de... C'est une expression que j'utilise beaucoup quand... Moi aussi, j'ai eu envie de le récupérer. De pas le récupérer. Seulement tu continues pas l'aventure, c'est ça? Oui. Quel dommage. Bon, ça c'est plein. Et ça c'est plein. Ok, no problème. Par contre là je vais récupérer. Non, toi ton œil je le récupère pas de suite. Je récupère déjà tout le fric que les Garogos ils ont lâché parce que avec mes deux morts j'ai dû en perdre, c'est ça? Bah, autant on a perdu 300 quoi. Ouais. 300? Je sais pas si... Enfin, après ça dépend des tarifs quoi. Ça doit être le seul jeu qui, en mourant, tu perds de l'argent. Tu crois que je prends un pistolet qui augmente les dégâts, précision, cadence de tir et vitesse de rechargement comparé au chargeur? Ou pas? Le mien j'ai 20 balles alors que celui-là il en a 8, mais tout le reste c'est large augmenté. Tu sais que t'as deux armes dans ton truc. Donc regarde par rapport à l'autre aussi. Comment on change d'arme? Ah ouais, d'accord, avec la molette comme d'hab. Oh, il est trop bien ce sniper, attends. Ah, j'avais pas vu que j'avais un sniper. Ça va être pratique ça. Donc lui il vaut 29. Lui il cherche pas, je le vends pas. Mais lui, est-ce que je le prends? Oh, ouais, je crois que je vais échanger. Bah, au pire, tu peux tout garder. Tu revendras ce qui te sert à rien. Allez, on va ramasser son œil. Super. Ouais, j'ai ton œil. Non, il faut trouver quelqu'un pour me le réinstaller. Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans mes circuits. Mais en fait, c'est ça un professionnel. Mon ami Hammerlock, à l'Ayersberg, s'y connaît en optique. Ouais, bon, let's écoute, go. Claptrap, c'est pas que je t'aime pas. C'est que t'as un peu casse-couille. Non, c'est que on va se laisser. Ah. Pourquoi je vois tout en couleur bizarre? C'est une porte Hyperion. Tout en couleur bizarre.
Ouais, enfin je veux dire, c'est plus de la même couleur que tout à l'heure. Là, tu vois, ça devient un peu... Comment dire? Bah, la couleur est pas comme d'hab, quoi. Enfin, c'est un peu plus jaune que d'habitude. Essaye de bouger un petit peu. C'est peut-être parce qu'il y a le soleil. Ah, peut-être. Bon, bah, on s'est bien amusé. Il paraît que se faire dévorer par un garogo n'a absolument rien de dégradant. Attends, je m'en occupe. Changement de phase en cours. On peut zoomer avec notre sniper. Ça aide d'être une intelligence artificielle. En appuyant sur je peux me connecter à sur viser, je crois que c'est clic droit. Enfin, la route est longue jusqu'à Sanctuary. Ouais, je veux dire zoomer par rapport au zoom, quoi. Ok, donc du fric. Bon, écoutez, je crois qu'on va piller cet endroit et après on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? T'en penses quoi, Yoshi? C'est cool. Tu me vois maintenant. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je parle des abonnés. Toi, je m'en fous, je te crache à la... Ça sert à quoi qu'ils répondent vu que la vidéo est déjà tournée depuis qu'un an? Mais c'est pas grave, c'est pour leur faire croire qu'ils ont le droit de participer aux vidéos. Grand foiré. Bon, d'accord. Vous voulez que la vidéo continue? Oui, non. Pas de réponse qui ne dit rien qu'on sent, donc on continue. Non, je plante. Non, franchement, ouais, là je crois qu'on va se tépêcher, je sais pas où, quand je vais ouvrir une sorte de sarcophage, c'est ça. Donc, ouais, bah écoutez, on va le laisser aveugle pour le moment et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que. Je sais pas pourquoi je tourne à 15 fps, enfin ça enregistre à 15 fps, mais chez moi c'est super fluide donc j'espère que ça ira. Ouais, bref. On sait rien. Ouais, bah je regarderai sur la vidéo, mais en tout cas on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao.